Coucou les amis, aujourd'hui j'ai voulu faire de la sauce tomate au pilon de poulet que j'ai découpé en petits morceaux là. J'ai voulu un peu changer. Là j'ai coupé mes pilons de poulet en petits morceaux. Je vais ajouter une cuillère à soupe d'assaisonnement de poulet, une cuillère à soupe de bons cubes tous usages qui est disponible sur mon site internet lacuisinedemarina.com. J'expédie partout en Europe, en Amérique, au Canada, en Chine, à Dubaï, sauf en Afrique pour l'instant. Voilà. Après avoir frit mon poulet, je vais ajouter tous ces légumes. J'aurai besoin de un oignon, une cuillère à soupe de purée d'ail. J'ai déjà réalisé comment faire votre purée d'ail sur mes différents réseaux. Ça fait presque 3 mois que j'ai cette purée d'ail. Je vais ajouter la tomate, les carottes, le bon cube tous usages, l'épice de poulet. Voilà, je vais bien mélanger le tout et je vais laisser mijoter 10 minutes. C'est vrai que je n'ai pas montré sur la vidéo. Ensuite, je vais ajouter mon poivron rouge, vert et jaune. Voilà, je vais bien mélanger le tout. Je vais ajouter mon thym et laurier. Je vais encore bien mélanger. Là, je vais laisser encore mijoter 10 minutes à feu moyen, les amis. De temps en temps, vérifier la cuisson. La version longue de la recette est disponible sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook, La Cuisine de Marina. Bon, là, c'est la version courte. Je vais ajouter le poulet que j'ai bien grillé là. Je vais bien mélanger le tout. Je vais ajouter un peu d'eau. Et je vais encore laisser mijoter 5 minutes à feu moyen. Voilà les amis, ma recette est prête. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et d'enregistrer la vidéo. On se dit à demain pour une nouvelle recette.